Ah, très bien. Ne vous inquiétez pas. Eh, mais attends. Très bien. Quoi? Ah, il y a une très grande nouvelle, les frérons. Ah. Très grande nouvelle, puisque tu es papa. Merci. Regardez. Voilà. Regardez. Regardez. Vous le voyez bien que l'enfant n'est plus là. Encore là. Ça se voit que l'enfant n'est plus là. Le voit bien, est encore bordel, là. On le voit bien. C'est génial. Ah non, mais c'est incroyable. On a une photo du bébé. Tu nous as donné une photo ou pas? Oui, oui. De ton bébé, puisque c'est en exclu. Merci, mon chéri. On va lui faire des gros bisous. Il s'appelle Jules. Jules Titouan. Jules Titouan. Est-ce qu'on a une photo, s'il vous plaît? De Jules Titouan. Voilà. Il est mignon, voilà. Voilà. Et il a la même bouille que toi. Il a la même bouille que toi, mon chéri. Il est mignon, hein. Et ben voilà, on lui fait des gros bisous à Jules Titouan. Et on l'embrasse très fort. Les mecs. Ah, il est mignon, bah quoi qu'il fait. Bah, il est original en tout cas. C'est un bébé, tu dis pas que c'est un bébé. Ce mec, non mais sans. Non mais excuse-le, mon chéri. Non mais en plus, je rigole de tout, mais là. Non, mais je t'embrasse, mon chéri. Mais là, il est relou, excuse-moi, mon chéri. Non, mais attends, il a fleur de peau. Tu aurais vu ma tête, moi, quand je suis né. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Est-ce que la maman va bien? Oui, très bien. Voilà, t'es con quoi. Non mais t'es lourd quoi. Non mais c'est toi. Oui, bah, bien sûr qu'il est magnifique. Non, vous savez, parce que je suis un peu thaïlandais par ma mère, et en Thaïlande, faut jamais dire qu'un enfant est beau. Faut dire qu'il est laid, parce qu'autrement ça attire la jalousie des dieux, et du coup ça leur porte malheur. Faut toujours dire qu'il est moche. Ok, c'est bien. Merci. Non, mais il avait un nouveau-né là, il est déjà. Non, c'était dimanche. Déjà âgé, il est né samedi. Hein, il a deux jours. Là, il a deux jours. Il est très beau pour un tout bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Il est quoi? Il est très beau pour un tout nouveau-né parce que les nouveau-nés sont fripés. Non, mais c'est après, on dirait les airs fripés. Quoi? J'ai pas fripé. Arrêtez, les mecs, il est mignon. Mais arrêtez, on juge pas les bébés. C'est vraiment son bébé. J'ai un doute. C'est le bébé de qui? T'es con ou quoi? J'ai un doute. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Un orgelet, il a déjà été blessé. Mais vous êtes dingue, c'est un bébé. Mais il est très beau. C'est ça. C'est con quoi? C'est pas son bébé. Bien sûr que c'est des mecs, arrêtez. On est pas pouille. Il n'a jamais vu un bébé, non? Mais il est fou. C'est déjà hein. Le bébé là. Ah, mais pas son bébé. Tu l'as dit, le bébé il est esquinté, mais c'est grave. Ce malade. Très lisse. Excusez-moi, sans déconner, je suis désolé, mon chéri. Je suis vraiment désolé. Bon, voilà, en tout cas. Non, mais je trouve ça un peu déplacé. Quoi? Bah, c'est un peu déplacé, quoi. Bah oui, je suis carrément déplacé. Non, mais tu es con. Non, mais tu es con. Quoi? Vous faites une vanne. Mais pas du tout, mais t'es con, quoi. Non, mais justement, on vanne pas. Sur c'est un vrai bébé, tu vois bien. C'est un vrai bébé. C'est pas un vrai bébé. Bien sûr que c'est un vrai bébé. Un vrai bébé, là. Bah oui. C'est le bébé. Les cheveux et tout. C'est Titouan. Les cheveux, y a rien qui vous dérange. C'est Jules Titouan. Non, les mecs, arrête. Mais t'es fou, en fait. Hein? Mais t'es fou, en fait. J'en ai vu, mais quand un nouveau-né, il a pas cette tête-là. Bien sûr que si. Tu crois qu'il a 42 ans ou quoi, ce gars? Non, mais dis-moi, tu crois quoi? Tu crois que c'est Jean Le Poulain? Eric, il dit, mais il est fou. Mais non, c'est vrai, mais sans. Il est fou, en fait. Quoi? Tu dis pas ça pour nouveau-né. Mais non, vous êtes relou. Jean-Mi, t'es content. Non, mais les mecs, on peut plus rien faire dans cette émission, en fait. Vous êtes devenus des oufs. C'est malin. Non, mais vous êtes tellement ouf. Ça rigole. Le prochain Narnia, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Pas pour le prochain Narnia, un truc comme ça, l'enfant. Ils sont malins. Mais t'es pas gêné de dire ça devant Guillaume? Il est beau, magnifique. De toute façon, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, les bébés, ils ressemblent pas. Mais t'as un fou, ça. Après, il va changer. Après, il va changer. C'est le vrai bébé de Guillaume ou c'est une vanne? Parce que là, moi, je fais peur. Non, mais mecs, vous êtes relou, quoi. Bien sûr que c'est le vrai bébé de Guillaume. Ah bah, Guillaume, il est magnifique, s'il te plaît. Donc, il est magnifique. Il a un peu changé. Il a les cheveux qui ont poussé un peu sur le côté, mais il est beau. En deux jours. En deux jours, il a changé. Un peu plus de cheveux que les premiers jours. Ça, c'est le deuxième. C'était dimanche après-midi. Il sortait du ventre. Non, dimanche après-midi, il est sorti samedi soir. Eh mais vous êtes fou. À 21h02. Mais les mecs, vous allez enquêter sur le bébé. Il est sorti, mais pas pour vous en fait. Moi, je trouve qu'il a l'air heureux, ce bébé. Ah oui, il est bien. Bien sûr. Il fait pas nouveau-né. Il fait pas nouveau-né. Quoi, il fait pas nouveau-né? C'est trippé, on dirait mes ex. Non, mais les mecs, vous êtes complètement bien. Ça veut dire est bien important. Ici, tu peux plus rien faire, en fait. Non, mais ici, non mais il y a que des oufs, en fait. Avec toi, Guillaume, on se méfie. Vous êtes des oufs. Si c'est une blague, dis Guillaume, s'il te plaît, tu peux leur dire. Parce que si c'est pas une blague, c'est très grave. Ah oui. Je vous confirme que c'est très grave. C'est Jean Le Poulain. En plus, je savais qu'il fallait pas. Je savais qu'il fallait pas. Dites-moi que c'est une blague. Mais non, c'est Jean Le Poulain, bébé. Arrête, Jean-Mi, parce que si c'est pas une blague. Quoi. Non, mais c'est pas une vanne, on est con. Hein. Non, mais par contre, blague à part, t'aurais pu prendre sous un autre angle. Enfin, Je sais pas, mais c'est sur l'émotion. De dos. Oh. De dos. Non, mais arrêtez, c'est l'impression qu'il prend. Mais vous êtes fou. Je suis choqué, là, il est non, en. Non, mais les mecs, arrêtez, mais attendez, il est en PLS. Non, mais la maman nous regarde.
Bah, la maman regarde, puis même. Non, 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 non. Il est très mignon. Il est très beau. Vous êtes des fous. Il est super. Arrête, Jean-Mille. Bravo, il est magnifique. Il est beau, il est beau. On fait un tour de table. Et vous excusez auprès de Guillaume. Ben, à refaire. Dis-lui que tu rigoles pas. Dis ce que je pense. Mais tu te rends compte que je serais certainement très intelligent, je dis pas le contraire. Mais. Vous êtes des fous, t'es un fou. Ils vont l'aimer, ils vont l'aimer. Mais tu dis félicitations, bravo, beau bébé. Félicitations, voilà. T'étais comment, toi, bébé? Hein? T'étais comment, toi? Ça m'étonnerait. Attends, tu peux. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume? Bah non, mais c'est un manque de respect. Bah oui, complètement. Les images, elles vont rester. Il a. Titron, il va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais arrêtez, putain, je te jure, je suis pas bien. On sait pas pourquoi. Dis pardon, Titron. Désamorcé. Désamorcer. C'est le petit toit. Bah, moi, félicitations à la maman, déjà, blague. Bravo à la maman. Mais lui, elle te regarde. Elle te regarde depuis tout à l'heure, excuse-moi. Non, je me fous pas de sa gueule. On a un doute. Comme vous faites tout le temps des vannes, Cyril et toi, je me dis là. Mais pas sur un truc aussi important. Sur un bébé. Les mecs, arrêtez, soyez francs. J'ai l'impression que je pars sur une vanne là. Il ressemble ni à la mère, ni au père. Mais bien sûr qu'il ressemble à Guillaume. Si. Ils sont graves à Guillaume, je connaissais Guillaume quand il avait grandi. Guillaume m'a montré une photo de lui bébé, et effectivement, c'est kiff-kiff. Bah, félicitations. Kiff-kiff pour Rico, c'est le même. Bravo. Non, mais dis-lui qu'il s'excuse auprès de Titouan. Non, mais je m'excuse auprès de Titouan. Je m'excuse auprès de Jules Titouan. Jules Titouan. Bah, je le dis là, Titouan. Ce qu'il y a, c'est quoi ton problème? J'ai pas de problème. Je dis juste que. Après ce que je suis en train de réaliser, j'espère que vous faites marcher. Mais t'es fou quoi? Parle-lui, Guillaume. Parce que vous avez fait ça déjà avec les parents, vous vous souvenez pas, vous avez fait ça avec les parents déjà? Là, c'est vrai là. Avec un bébé. Bah, excuse-moi, et félicitations à maman. À quoi? À la maman. Et au papa aussi. Et à Jules Titouan. Non, mais les mecs, vous êtes chiants. Non, mais ouais, j'espère parce que vous êtes chiants. T'es con quoi? C'est de l'intelligence artificielle, vous avez fait. Ça se fait pas. Non, mais les gars, vous êtes grave ou quoi, sans charrier? Non, mais franchement. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le, alors, vous. Non, mais moi, je lui ai dit ce qu'il en pensait au téléphone. Regardez-le. Mais arrêtez, vous n'avez pas commencé. Bah, c'est dur quand même. Ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est lui qui me fait rire. Mais je t'ai déjà dit ce que j'en pensais, je le trouve magnifique. Les mimes. Non, mais c'est vrai, il est hyper mignon. Ouais. Il est hyper mignon. C'est une vanne. Vous êtes des ouf ou quoi? On va pas faire une vanne. Alors oui. Si c'est le bébé de Guillaume, il est magnifique. Sinon, on peut discuter. Quoi? Ma mère te dit Mazel Tov, tiens. Voilà, non, mais les mecs, bon, je vous le dis, c'est le fils de Guillaume. Voilà, on l'embrasse fort. Merci. Bravo à la maman. Bravo. Et Titouan, on lui fait des gros bisous, mon chéri. Bravo. Regardez, il est blond. Il est blond. Il est blond. C'est châtain cendré un peu comme ça. Ah, ouais. Non, mais après, ça fait. Oh, t'es heureux ou pas? Ouais. Franchement, je suis comme quoi quand tu le vois? Bah, j'étais hyper ému quand j'ai vu cette petite tête là. C'est... Arrête tes conneries. Vous êtes con. Mais non, mais c'est le vrai. Non, tu peux leur dire. Il a déjà 4 ans. Vous nous chambrez. Le petit, il a pas de bouche. Vous nous chambrez, c'est dégueulasse. Guillaume, tu peux leur dire. Non, mais c'est pas sympa. Non, pas rigolé. Non, on est élu. Tu peux leur dire. Tu parles pas de la sorte de mon fils déjà. Reste tranquille. Et c'est vraiment Titouan. On a l'impression qu'il a été démoulé à chaud. Mais non, c'est vraiment son fils. Arrêtez, les gars. Oui, bah, rigoler, on arrête, on clôture l'affaire. Mais comment on peut parler d'un bébé comme ça? Mais c'est le bébé de Guillaume. De toute façon, il a encore. Bébé de Guillaume. Bah, en plus, quand même. C'est le bébé de Guillaume. Non, mais calme-toi, s'il te plaît. Arrête de rigoler. Non, mais tu sais que toi, ton cerveau, il s'est ramolli, en fait. Non, mais je te jure que c'est vrai. Ton cerveau. Il s'est marré quand il s'est ramolli. Ton cerveau, c'est ramolli. Je te le dis. Ah bon? Il a jamais été très dur. Oui, c'est vrai. Guillaume, tu l'excuses. Non, mais je voulais déjà remercier toutes les personnes qui m'ont fait des cadeaux. Géraldine, vous m'avez fait un très beau cadeau. Et tous ceux qui le respectent. Et voilà. Moi, du coup, faut que je change de taille. C'est bien. C'est un coup pour un bébé, moi. C'est un coup pour un bébé, c'est un routier.
Arrêtez, désamorcer. Désamorcer. Il a rigolé. Guillaume, s'il te plaît. On peut rigoler. Fais voir la vraie photo. Non, sérieux. C'est lourd. Alors, Guillaume, tu peux lui parler, s'il te plaît. Arrêtez. Non, mais il a rigolé parce que vous êtes lourd. C'est l'émotion. Imagine. Non, il va vraiment de sa gueule de son bébé, Guillaume. C'est déjà un routier. Non, mais moi, en plus, je rigole de tout, mais... Et Guillaume, si c'est vrai, je vais vraiment m'excuser et je vais vraiment me faire pardonner. Non, pour moi, je pense que c'est une vanne. Arrête. Il est trop âgé. C'est horrible. Ce petit, il est trop âgé. Mais quoi qu'il arrive, c'est un bébé. Il conduit un camion, ce petit. Mais arrête. Ah oui. Je vous le dis. Guillaume, désamorcer, parce que je vais passer pour un con. J'aimerais que tu lui parles. Non, laisse-le parler, laisse-lui parler, s'il te plaît. Comme c'est filmé, j'aimerais que tu t'excuses auprès de moi, de ma femme et de Titouan. De Jules Titouan. Si c'est ton enfant pour de vrai, je m'excuse et je vais lui faire un beau cadeau. De qui? Auprès de ta femme Jade et auprès de toi. Et de qui? Titouan. Mais vous êtes fous, les mecs. C'est long, votre truc, là. Non, mais ça me fait de la peine, parce que c'est mon pote, en plus, c'est... Enfin, putain. Non, mais c'est vrai, c'est un manque de respect, c'est tout. En tout cas, pas besoin de lui mettre des étiquettes sur les vêtements, tu le reconnais tout de suite. Ah oui, ah ben oui. Il n'y en a pas deux pas. Il n'y en a pas deux. C'est bien d'être unique. Mais il y en a pas, j'ai des voyages scolaires. Moi, je ressemble à tout le monde. Mais lui, il ressemble pas. T'es con, quoi. Excuse-toi auprès de Guillaume. Oui, Non, mais Guillaume, allez, tu sais que tu prends tout à la rigolade, mais ça y est, c'est bon. Non, pas ça. Là, quand même, c'est intime. Tu cherches dans le cas. Si j'avais pu prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas. Ça va? Non, non, si j'avais pu prendre une meilleure photo. Bah oui, enfin. Regarde mon Guillaume. Un filtre, quoi. Les mecs, putain. Le pauvre. Mais pas quoi, vrai. C'est vrai ou c'est... Ils sont morts de rire, hein. Vas-y, je prends la vraie photo. C'est con. Moi, j'y crois pas. Guillaume, fais voir la vérité. La vérité? Oui. La vérité? Oui. C'est que c'est une énorme connerie. Cette blague tout le week-end on s'est appelé 200 fois pour faire cette blague et sachez que vraiment Guillaume et papa en tout cas c'est vrai et on embrasse Jules Titouan non c'est que Jules on se retrouve dans un instant avec la...